Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Tout autour. L'environnement, c'est tous ceux qui nous entourent. L'écologie, c'est la science qui sert à le protéger. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est la transition écologique. Avec nous comme invité, la responsable du Salon de l'écologie d'Haïti, Lovely Madelon Norvelus, une militante écologiste à qui on dit bonjour. Bonjour Stéphana, bonjour tout le monde qui a suivi l'émission. C'est un plaisir pour me la matin. Plaisir partagé et Lovely. Et donc, on a parlé de transition écologique et aussi responsable du Salon de l'écologie d'Haïti. Elle nous parlait de transition écologique. C'est quoi? En fait, transition écologique, Stéphana, ce n'est pas nous-mêmes qui venons avec le concept. Hein? C'est un professeur anglais qui c'est Rob Hopkins qui vient la première fois avec le concept. Hein? Concept là visait regarder modèle économique et social yo yon façon pour nous capable mettre citoyen yo avec tout ça qui environne nous yo dans centre débat mettre yo pour nous toujours discuter et puis pour nous regarder comment nous capable redéfinir rapport nous développer avec sous l'eau bon la caillou comment nous gérer tout ça. Donc, et en Haïti, si nous parlons de la transition écologique, qu'est-ce que nous sommes capables de faire et qui pour rentrer dans ce concept-là? Et concrètement, si nous avons dit que nous avons parti pour un nouveau mode de vie écologique, qu'est-ce que nous-mêmes avons rapidement fait? Qui effort ça a mérité pour faire? Parler de transition écologique, c'est tout un package, c'est-à-dire où parlons un paquet d'éléments dans l'ensemble. D'abord, nous sommes capables de garder sous l'eau, nous sommes capables de garder, vous voyez, garder mon yo, garder modèle transport que nous gagnons, modèle consommation, modèle de production que nous gagnons là, quand nous. Mais pour nous parler de transition écologique, c'est tout bagage qui mérite de repenser parce que l'écologie, c'est la vie qui a gagné hier, la vie qui a gagné jeudi et la vie qui a gagné après. Donc, un pile effort qui mérite pour faire, aussi responsable du Salon de l'écologie d'Haïti. À partir de quel moment nous avons décidé de mettre le Salon de l'écologie d'Haïti sur pied? En fait, le Salon de l'écologie d'Haïti, l'initiative, c'est l'infini de Nadège Norvelus. L'idée, c'était de regarder comment nous sommes capables de contribuer à faire promotion de la protection de l'environnement. C'est un engagement citoyen. Si vous vivez, il faut être utile. Il faut être utile aux communautés. Il faut poser des actions concrètes qui marquent le passage et qui sont utiles, c'est là qu'ils viennent. Parce que nous sommes d'accord, il y a un chaos, nous vivons vivre jeudi, qui est lié avec la question écologique. C'est mon avant qui a posé l'action et que nous-mêmes, nous sommes victimes de eux. Et jusqu'au y a là, nous pouvons vraiment prendre une décision pour nous stopper toute dérive. Ça veut dire que la génération qui va venir, c'est pire que ça, nous, je veux dire. Quand on parle de dérive, là, Lovely, dérive en pile, nous quand même parlé tout, par exemple, de l'interdiction qui vient pour styrofoam circuler, ça qui est toujours à faire. Mais pendant ce temps, nous capables de dire qu'il y a un pile espoir toujours, parce que je ne veux dire en Haïti, et gagner des mondes qui a positionné yo pour protéger l'environnement, qui a impliqué yo, qui c'est des militants écologistes, même j'en ensemble avec vous, même j'en avec moi-même. Mais qu'on a qui avenir nous? On nous dit en 2030, on nous est réalité Haïti en face à l'environnement, et nous on nous est bon côté par nous des militants, donc nous-mêmes qui dans lutte pour protéger l'environnement. Il est vrai, Stéphane, gagner faut qu'il fait surtout à travers organisation regroupement qui mettent tout ensemble qui dit OK ben on pose quelques actions dans média tout la presse a fait un pile j'efforce ces derniers temps mais question nous pas qu'à résoudre avec ça seulement parce que question écologique yo, pour nous résoudre nous pas qu'à résoudre dans avec le court terme c'est un projet c'est tout un projet de vie c'est tout un projet de société. C'est
nous avons quelques éléments clairs qui témoignent que l'écologie, pourquoi la priorité nous? Parce que nous avons regardé comment le budget est reparti, nous avons question écologie, pour qu'on vraiment prenne place, pour qu'on vraiment établi, vraiment gagne effort qu'a fait, mais qui m'a dit pour faire chaque jour plus pour augmenter le volume? Non, parce que là, on ne peut pas passer sans scientifique pas alerter nous sur ça qui sur menace qui pesait sur tête non si nous pas poser des actions sérieuses, si nous pas d'accord pour nous revoir modèle société que nous gagnons. Bon, dans ce sens, ça c'est d'abord me dit faut nous commencer par question éducation pour nous comprendre vraiment qui ça est et comment on capable impliquer et puis monde qui dans tête l'état et tout faut faire place pour écologie parce que si nous d'accord si nous dit nous pas d'accord disparaître faut nous poser action concrète qui m'a rendé avec ça n'a dit hein. Parce que si nous continue à manger bagaille qui détruit nous c'est sûr n'a fini pas disparaître et menace écologique yo c'est pas des choses qui sélectives yo les a passé nous tout à victime de yo y a exemple moi rien mais prend yon un pays qui dans Amérique là Costa Rica, qui c'est un petit pays, et puis qui dit comme ça, l'a embrassé comme ça, question environnement. Mais dans le dernier rapport qui sorti, Costa Rica fait partie de troisième pays qui plus vert dans le monde là. C'est un exemple région a gagné et c'est un exemple le monde gagné parce que la caillou qu'on y a là, y a pas dans sensibilisation encore. Yo qui t'en parler comment tu es capable annuler comment tu es capable annuler carbone dans question économie yo. Yo même y a parlé de économie verte qu'on y a là. Tout ça c'est la vie citoyenne, c'est la vie l'autre être yo. C'est protection biodiversité marine, c'est tout ça parce que là parler encore de toujours dans question Costa Rica ou ouais comment l'organe de budget, ou, même si vous ne pouvez pas lire aucun article comme si qui parlait de quantité de GFO à faire, mais de vous fournir, j'ai regardé dans le budget, vous dites, waouh, où est la priorité, où est la action canalisée. Parce que, encore toujours dans l'exemple Costa Rica, vous avez une démarche pour utiliser l'énergie renouvelable seulement. Parce que vous utilisez le soleil là, l'énergie solaire, hydraulique et puis éolienne pour fonctionner et yo gita ba tete yo on limite là aux d'ici 2035 faut yo gita 70% dans démarche pour éradiquer carbone dans question parce que carbone c'est un élément qui pollue en pile parce que qui dit pollution dit la vie frappée parce que pollution c'est li ka bo toute qualité maladie ou tande yo. Qui donc c'est modèle énergie n'a pas utilisé pour nous fonctionner chaque jour, pour nous faire business, nous marcher. Tout ça c'est des choses qui méritaient. Ouais. Si nous voulons vraiment faire des avancées sérieuses et que problème écologie pas problème qui résout son coup de tête, c'est tout un plan de vie, j'aime te dire avant, qui donc c'est faut qu'on travaille d'arrache-pied et puis c'est qu'on y a là même pour nous commencer parce que c'est une question qui est urgent. Nous pas rien temps pour nous gratter ou bien pour nous dire non, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est l'écologie est viable. Dès que vous parlez de budget, là nous rentrons dans l'économie et vous faites des études en économie et la transition écologique, ou alors vous avez un nouveau mode de vie économique et social quand on parle de transition écologique. Et qui ça ou même ou est qui plus gros décision en Haïti nous sommes capables de prendre du point de vue économique pour nous répondre avec la question énergie en tout, qui peut-être pas ta même genre Costa Rica tout de suite, mais nous sommes plus ou moins capables de comparer tête nous avec Costa Rica, avec avancer qu'ils ont fait. En fait, décision, c'est, j'aime dire tout à l'heure, ce n'est pas décision qu'on prend sur le coup de tête. Et puis nous pouvons comparer nous avec Costa Rica. Mais toutefois, nous avons regardé Costa Rica comme un modèle si nous voulons avancer. Parce que c'est très inspirant la façon que nous faisons pour nous sortir. Mais nous-mêmes, pas bon, ici, c'est tout un combat.
Et avant nous même utiliser combat, c'est ça que fait me mettre accent en pile sur question éducation. Parce que monde qui a produit à lui-même, il pas d'accord qui était système ou bien façon de qu'on produit depuis 30 40 l'année pour l'entrer dans des marches ça du jour au lendemain. Maintenant, il faut une conscientisation qui fait et puis monde lui-même l'a toujours capable procurer, l'a toujours capable gagner revenu, il ça pas affaiblir, au contraire, c'est un bien bien-être collectif là vient entrer dans question en tout. Pendant lui-même l'a continuer produire, mais l'a produit ça qui pas déranger question la santé, ça qui pas déranger question environnement. Go business yo, go entreprise yo, sinon passe génératrice tous les jours. C'est polluer tous les jours. Mais même question énergie, différentes autres sources énergie que nous utilisons. D'ailleurs, Costa Rica c'est un pays qui est tropical. Même genre avec la caille, non? Non, non, non. Il y a soleil là, il y a de l'eau. Exactement. Donc, on fait des choses utiles ensemble avec eux. On est capable d'utiliser à d'autres fins. Et moi, je crois que le modèle ça, il doit plus économique pour le monde qui produit autour. Est-ce que vous pas penser tout que c'est des écologistes, des militants qui vont plus porter plus apport pour nous capable arriver concrétiser rêve ça et parce que capable gagner monde qui représenter nous dans pays hein, qui capable gagner de bonne volonté. Par exemple, qui capable dire yo pral doter pays hein, de courant énergétique là. Mais il est capable toujours faire avec génératrice. Et ça qui n'est pas répondre avec des enjeux écologiques. Là. Et ça qui t'a dit, il faut que tu aies gagné des têtes pensantes qui peuvent penser pour reconnaître tout élément naturel, tel que de l'eau, tel que source, et tel que et de l'eau, tel que vent, et tel que l'autre bagaille encore, et soleil là, que nous-mêmes nous sommes capables d'utiliser. En fait, tout ça, me dit là, c'est une bagaille qui est possible, l'idée là. Mais, dans la place de décision, il faut nous apprendre, mettre les gens qui ont un plan d'avenir. Non, yo. Côté cap décider, il faut nous mettre les gens qui ont un plan pour bien-être. Non, yo. Parce que sinon, nous ne pouvons pas arriver dans le changement de la paléa. Nous ne pouvons pas arriver dans la question de transition écologique dans la paléa. Nous avons toujours été loin de cause. Nous avons toujours été à rebol. Nous avons plein, nous avons fait le chignon. Et puis, pas besoin de gagner sur concrète qui pose. Imaginons où il y a des écologistes, des gens qui ont une sensibilité pour la question de l'environnement qui représente, qui est en place de décision. Ben voilà, il n'y a pas le fait loi qui est en faveur de la vie, il n'y a pas le fait loi qui est en faveur du bien-être. Laisse ça, citoyen lui-même, non seulement il a conscientisé, et nous connaissons pas un travail qu'il a fait du jour au lendemain, mais laisse ça tout, l'a obligé à entrer dans le schéma. L'a obligé à entrer dans le schéma. Donc, parce que c'est ça qui est bon pour nous. C'est ça qui est bon pour nous. Pour que la transition écologique, nous sommes capables de parler de lui en Haïti, donc il faut que les militants écologistes eux-mêmes soient impliqués. Donc il faudrait l'implication des éco-citoyens. Exactement. Ok, Lovely et Madeleine Ovilu, ça sera ton dernier mot? Oui. En fait, dernier mot pour les gens qui regardent, c'est impliquer. Impliquez-nous davantage. Impliquez-nous parce que nous sommes très vulnérables sur le plan environnemental. Plus nous ne posons pas action, c'est plus nous contribuer à la disparition. On met maintenant patte là pour nous laisser un espace qui est très avancé écologiquement pour les générations qui viennent. Les générations qui viennent tout, gagner pour faire plus de travail tout, nos soucis pour nous capables côté participation par nous. Si nous là, faut que nous utile. Gardez tout ça qui environne nous, on a pour nous gain 1 million de raisons pour nous impliquer nous. Gardez mon yo, gardez sous l'eau yo, gardez qui ça qui environne nous et puis n'importe qui nécessité qui gain pour nous embrasser cause là. Merci Lovely Novilius parce que tu réponds à l'invitation. Merci Stéphane Apoula, c'est ton plaisir. Voilà, nous avons avec nous aujourd'hui Lovely Norvilus, qui est responsable du Salon de l'écologie d'Haïti. C'est une militante écologiste avec qui nous avons parlé de la transition écologique. Nous avons dit que c'est une évolution vers un nouveau mode de vie économique et social qui permet de nous gagner une autre façon
et de consommer en l'autre façon pour nous vivre ensemble, pour nous capables de répondre avec enjeux écologiques. À bientôt pour un autre numéro de l'émission Tout Autour.